IEF ASEM, Noël de charité et gala de louanges. La célébration de Noël bat son plein et les élèves et enseignants de l'IEF ASEM veulent partager la joie de ces fêtes de la nativité avec les couches défavorisées. Cette action de bienfaisance en faveur des plus démunis est perpétuée chaque année à la même période. D'ailleurs, venir en aide à son prochain fait partie d'un culte entrant dans le cadre de l'éducation de ses élèves, selon la devise « Donner, c'est mieux que recevoir ». Mais cette fois, une touche d'innovation a été apportée à cette œuvre. Outre la distribution de vivres et de produits de première nécessité divers, les élèves et le corps enseignant ont donné un gala évangélique, digne des plus grands talents artistiques, ce matin à l'écart Saint-Jean-Baptiste de Faravuitch. À l'issue d'une brève séance de prière, les quelques 500 élèves de l'IEF ASEM d'Anjavouang, ainsi que leurs enseignants et encadreurs, se sont succédés devant l'autel pour donner un concert de louanges et de gloire au plus grand bonheur des premiers bénéficiaires de cette action qui ont été conviés à cette occasion. Pour cette fois, l'école a en effet choisi 5 entités pour bénéficier de ces donations. Il s'agit des pensionnaires de la maison de charité d'Ambandi, des familles démunies prises en charge par la paroisse de Faravuitch et celle de la FTKM d'Ankatfouts, des personnes défavorisées et personnes âgées du Fukuntani Ambatuntsangan, riverains de l'établissement, et de centres de réinsertion sociale. Les dirigeants du groupe ASEM, conduit par M. William Rachim, président fondateur du groupe et de son épouse, ainsi que de Mme Eliane Razafmanantsou, directrice de l'IEF ASEM, ont rehaussé de leur présence cet événement de ce matin.